Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour dans une vidéo Brawl Stars. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter Shelly. Attendez, comment monter Shelly rang 25. Donc, moi, j'ai pas vraiment galéré. J'y ai passé du rang 23 au rang 25. J'ai dû y passer 2-3 heures. C'était vraiment pas long. Donc, le tuto est simple. Il faut jouer en mode survivant solo. D'accord? Du coup, je vois. Non, on va aller dans une combat amical. Du coup, vous choisissez la map que vous voulez. Vraiment, vous choisissez tout ce que vous voulez. La map, la seule règle qu'il faut respecter, c'est que ce soit une map plutôt fermée. Une map comme ça, c'est bien comme du genre double danger. La map d'aujourd'hui est bien également. Non, pas ça. Brawl Note, celle-là est bien. Terre brûlée, celle-là est pas mal. Bref. A vous de voir, genre par exemple, attendez, il faut que j'en trouve une qui est plutôt ouverte. Attendez, il faut que j'en trouve une. Bon, ça c'est galère, mais parce que c'est beaucoup fermé. Donc c'est vraiment facile à monter. Oh, par exemple, ça c'est plutôt ouvert, quoi. Ça va, mais c'est plutôt ouvert, c'est pas vraiment pour Shelly. Attendez, c'est pas vraiment pour Shelly. Du coup, il faut jouer en survivant solo. Et je dis bien, la dernière partie, il faut la jouer en duo. Parce qu'en solo, ça va être interminable. Vous allez prendre beaucoup plus de temps vers la fin à faire en solo qu'en duo. Parce que Shelly en duo, c'est pas si fort que ça. Mais à la fin, on est obligé de le faire. Sinon, ça va être 10 fois trop galère. Donc, pour vous montrer la stratégie, c'est très facile. Ce qu'il va falloir faire, c'est... Bon, là, du coup, je tombe avec des bottes, hein, mais voilà. Cette map, elle est parfaite. Vous allez rusher le plus de boîtes possibles de votre côté. Voilà, comme ça. Bon, évidemment, il y en aura qui iront au mid. Vous n'allez surtout pas au mid. Et vous allez camper ici. Bon, évidemment, je peux pas me camper tranquille. Donc, on va tuer la Lola tant qu'on y est, parce qu'elle m'énerve. Et du coup, là où vous spawnez, vous prenez les boîtes et vous campez. Oui, vraiment, vous campez, vous attendez que ça se passe. Et vous, du coup, si jamais il y a d'autres brawlers qui arrivent et qui essayent de vous attaquer, vous teamez avec eux, sauf si jamais ils sont vraiment très proches et vous pouvez les tuer. Sinon, vous teamez avec eux. Je sais que teamer, c'est pas bien pour Brawl Stars, etc. Mais maintenant, c'est obligatoire. On est obligé de teamer. Et vous attendez tranquillement que les kills se font, etc. Vous êtes spectateur. Vous campez, vous teamez. C'est la façon la plus facile de monter chez les rang 25. Vraiment. Vous attendez, vous teamez, enfin vous teamez, vous campez, etc. Et puis si jamais il y a une cible facile à faire, vous pouvez la voir. Attendez. Niveau gadget et star power. Il vaut mieux privilégier le gadget qui... Le gadget, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Il y a le gadget qui permet de prendre sa portée la plus courte. Ou il y a l'autre gadget qui permet de se rapprocher très bien aussi. Vous avez également le gadget du soin. Enfin non, le star power, je vous conseille fortement le star power du soin pour être soigné beaucoup plus rapidement contre les autres ennemis, parce que là on va surtout camper teamer quoi. Du coup ça va être galère, parce que là, du coup c'est fini. Comme vous pouvez le voir, ça m'a permis de pas mourir trop vite, ça peut nous servir vraiment dans différentes situations. Mais si jamais vous êtes un gros assassin, que vous tuez vraiment tout le monde, ce que vous avez à faire c'est prendre l'autre star power, c'est vraiment comme vous voulez. Mais vraiment, je vous conseille vraiment lui. Niveau gadget et équipement, etc. On va quitter ça. Je vous conseille fortement vitesse et bouclier pour Shelly. Parce que Shelly, c'est un brawler, c'est un donc à tank. Et du coup, c'est bien avec les tanks, c'est bien de mettre des boucliers dessus. C'est beaucoup mieux. Parce que, comme vous pouvez le voir, si jamais vous mettez des dégâts, ça va être beaucoup moins fort, etc. Parce que les boucliers, c'est bien parce que ça permet d'avoir plus d'HP, donc c'est logique. Et les tanks perdent très rarement la majorité de leur PV, et du coup c'est pour ça que je préfère mettre les boucliers dessus. Et la vitesse pour qu'ils aillent plus vite. Comme ici pour Bull par exemple, et voilà quoi. Donc c'est tout ça pour tenter de monter chez Lyre en 25. C'est vraiment assez simple. Il y a beaucoup de mes amis qui ont réussi à la monter avec d'autres tutos, mais ce tuto-là est simple. À la fin, si jamais vous faites la technique qui s'appelle à la fin rechercher l'équipe, c'est-à-dire que vous allez ici sur ça, vous cherchez une équipe. Donc ça va être un peu long là. Imaginons vous faites ça.
Ça va, c'est en fait ce truc qui ça permet de tomber avec un gars plutôt fort. Bon, là il est parti parce que je sais pas pourquoi. Et bref, vous pouvez tomber avec des gens de votre niveau, etc. Du coup, c'est assez pratique. Et puis voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour donner des nouvelles vidéos Brawl Stars Clash Royale. Ça, et Stumble Guys, salut!